Hello l'ami, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'est une très grande journée. J'ai réussi à choper des ETB, points de fusion. Alors, je sais pas ce que ça vaut, franchement. J'ai vu deux, trois alternatives qui m'intéressent. Et c'est pas une collection, enfin, c'est pas une série qui m'intéresse beaucoup. Mais franchement, il y en a deux, trois qui sont pas mal. La Mew Alternative. Qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi Ectoplasma Alternative, franchement, OGNSect Alternative, les trois là, franchement, si je peux les choper, ça serait pas mal. Donc voilà, franchement, très grosse journée. J'ai chopé deux comme ça à Pipo Test. Après, franchement, le prix il est pas extraordinaire. Donc on va voir sur le drop pour voir si ça vaut le coup. Et j'ai chopé aussi ça chez Maxi Toys, là où le prix il est plus intéressant, 70 euros. Des ETB 25 ans, franchement, donc on les ouvrira peut-être plus tard, ou je sais pas si je vais les garder ou si je vais les ouvrir. Déjà, le design, j'aime bien, c'est joli. Bon, déjà, il y a Mew, déjà, franchement, ça fait le taf, hein. Juste Mew, déjà, tu mets Mew, franchement, c'est joli, c'est kiffant. Donc, on va ouvrir ensemble, on va voir ce que ça vaut. Moi, ce que je kiffe surtout, là, c'est les alternatives, donc, que ce soit dans cette collection ou dans Evolution Céleste et dans les enfin depuis Style de Combat d'ailleurs, franchement les alternatives elles sont trop belles. Elles sont trop belles déjà sur Evolution Céleste. J'ai pas réussi à tous les choper, donc on va essayer d'en ouvrir d'autres. Mais sur cette collection, ça va, ça a l'air d'être un peu plus faisable. Je sais pas, il y en a combien en tout, on va découvrir ensemble. De toute façon, pour voir, il y en a combien. Bon, attends, on va aller. Nous, on veut voir les alternatives. On veut voir les alternatives. Déjà, franchement, regarde, juste le Celebi, déjà, il déchire tout. On va relever un petit peu plus. Hop. Surtout d'aller le voir à l'envers, sinon. Le Celebi, il est incroyable. Le Celebi. Franchement, c'est. Il y a quoi? Il y a quatre alternatives. Rongrigou, bon, je la prends quand même, mais bon. Genesect, il est pas trop mal, mais c'est pas la meilleure. Le Mew, il est incroyable. Je crois que la meilleure façon, ou la plus difficile à voir. Ah ouais, j'ai pas vu aussi le Mental EV Max. Je savais pas que c'était sur cette collection. Parce que je sais que sur les japonaises, c'était les cartes promo en fait. Alors la Mew VMAX, franchement, je kiffe pas de ouf. C'est pas la plus jolie. Mais la Mental EV Max, elle est trop belle. Et l'Ectoplasma, pareil. Les deux, elles sont magnifiques. Les Argus VMAX, franchement, je ne l'avais pas vu jusque-là. Elle est pas trop mal. Hein. Donc, ouais, ça en fait pas mal. Hein. Ça en fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alternatives. Franchement, je pensais qu'elle en avoir moins. Je me suis dit, ouais, je vais en avoir moins. Hein. À la Mentally VMAX, je crois que c'est la plus jolie. Hein. Elle est incroyable. J'ai même pas vu de Mentally dans cette collection-là. C'est-à-dire qu'ils ont mis juste l'alternative comme ils l'ont posé. Je sais pas si vous l'avez vu la Mentali. Ouais, j'ai pas vu de Mentali, hein. Ça veut dire qu'il y a juste l'alternative. Et la Pyroli là, je sais pas si vous la mettre sur notre collection, mais j'ai vu, il y a une Pyroli alternative. Elle est trop belle, c'est au coin du feu. Elle est magnifique. Donc voilà. Hop. Vous allez tout découvrir ça avec moi. Après ça c'est toujours partout pareil hein. Les règles du jeu, les dés qui sont jolis hein, en couleur de la boîte. Franchement, grosse journée, je pensais pas du tout l'avoir aujourd'hui. D'ailleurs la carte là, on dirait une carte de foot, une collection de foot. Et les range cartes, ils sont magnifiques aussi, ils sont beaux. Ils sont très très beaux. Là, franchement, la boîte est belle. Les range cartes, pareil. Les boosters, ils sont beaux. Est-ce que j'en ai un de chaque? J'en ai trois Genesect. Et il n'y en a que un Ectoplasma. Ton petit. Je crois que ça commence bien. Je crois que j'ai quelque chose. Par contre, j'ai vu qu'il y avait Trousselin. C'est le Pokémon que je déteste le plus. Je sais même pas comment ils ont pu inventer un Pokémon éclaté comme ça. Ah, ça commence bien. Trousselin, je le veux vraiment pas. Moi, Master Set, je m'en fous. Je veux juste les alternatives.
Je vais pas en ouvrir beaucoup de toute façon. Miaouss. Le Marill, il est joli. Escarcom, c'est des Pokémon, je m'en fous. Ah, je croyais que j'avais quelque chose. Ah là là, ils sont garmés. Ils sont les très très beaux. J'aime bien. Trousselin, je le veux pas. Ah bah tiens. Et j'ai parlé de Trousselin, il a paru en première. Elle est trop moche. La carte, elle est moche, le Pokémon, il est moche, tout est moche. Ah, j'ai rien, je crois. Faut pas que je vois que j'arrête de me spoil comme ça. Voilà, super carte que tout le monde veut. On dirait, il est shiny le feuillage ou ? Non, j'ai dit des conneries. Pandaspiègle. Darumaron de Galar. Persian. Du canon. Bon, je me prépare à pas avoir grand chose. Hein. Mais je crois qu'on va pas trop être gâté. Hein. En tout cas, les cartes dresseurs sont belles. Hein. Ça me tue les noms. Ils ont trop sorti de Robeux et tout dans Pokémon. Nabil, Rachid. Ça va, c'est international maintenant. Scorbol, Goupix, Meltan. La Toxizap, elle est belle, hein? Starry, Mizdibule, Chenipan, Chenipan Reverse, Scolossandre. Bon, pour l'instant, Pickwick Toys, ils m'ont carotte. Je vais vous dire à quel moment Pickwick Toys, c'est moi qui les ai carottes. Et là, pour l'instant, c'est eux qui m'ont banane, hein, 70 euros. Ah ouais. Je le ferai pas deux fois. Hein. C'est juste parce que ça vient de sortir. Et si en V, par exemple, ils m'ont mis, genre dans le truc, j'ai une V. Et la V... Attends, on va voir les V les plus dégueulasses comme ça. Bon, déjà, Chapignon, elle est pas incroyable, mais bon, je pense pas que ce soit la plus moche. On va essayer de choper les plus moches. Gorythmique Vmax, elle est jolie, hein. Je crois que c'est Dratatin, la plus moche. Dratatin. Le Pikachu V, on dirait celui qui est sur la promo. Bah, je crois que la plus moche c'était Lugula ou un truc comme ça. Ah, Lucario elle est pas mal aussi hein, Lucario. J'aime bien Lucario moi. Bon, on va voir si on a quelque chose. Non franchement les V sont pas horribles. Hein. J'en cherchais une vraiment moche. Moi non plus j'aime pas les V. Moi, à part les alternatives, hein, V alternative, je trouve ça magnifique. Mais dès que j'ai une V, généralement, je la revends, je la garde pas. V et Vmax aussi, hein, les Vmax, je les trouve pas incroyables. Hein. Je suis fan que des alternatives. C'est une V Lugulabre. La deuxième plus moche dans mon classement. Mais bon, ça fait déjà. On rentre une nouvelle V, quoi. C'est pas mal, hein. Une V. Après, c'est pas la plus horrible que j'ai vu passer. Hein. Il y a pire. Hein. On va la mettre sous sleeve direct. Ah, franchement, les V. Il y a. Dans la collection. La série d'avant, franchement, une des plus jolies, c'est Celebi. Ouais, c'est éclaté. Hein.
Mais je sais pas, on dirait que là, en ce moment, comme ils font des réimpressions, j'ai l'impression que du coup, le taux de drop de cartes rares, il a baissé. À mon avis, ils veulent pas qu'il y ait trop de cartes rares et tout en circulation, pour pas faire baisser la valeur des cartes. Mais pour que les gens puissent en acheter, ils ont baissé les taux de drop. Là, par exemple, franchement, il reste quoi? Il me reste 3 boosters, j'ai une V. Et je pense que ça va y avoir que ça. Hein. Donc pour l'instant, Pikwiktos, c'est eux qui gagnent. Grand bulle. Ils ont quand même mis les Pokémon les plus moches. Hein. Muna, Trousselin. Ah, Sablette, ça passe. Tonicoton, Flamanoir. Il est pas beau aussi, Flamanoir. L'évolution de Muna aussi, c'est. C'est pas ouf. Mais bon, ça fait quand même plaisir, franchement, de découvrir des nouvelles cartes. C'est un petit kiff. Si j'ai une alternative dans tout ça, je suis refait. Hein. J'en veux juste une. Je mets n'importe laquelle. Je suis trop content. Ça fait une nouvelle dans la collection. Si vous voulez, même après, je vous montre celle que j'ai chopée déjà. Hop. Victini, Lamperrois, un Solourde, Miasme, Kaiminus, elle est belle Kaiminus. Hein. Ouais, c'est l'homme Ronflex. Jamais les Ronflex où il dort. Sony, Kangourex, Kangourex, elle est pas mal. Kaorin, Kaorin, c'est. Même dans les 25 ans, qu'est-ce qui m'a dégoûté ce Pokémon. Bon, plus que deux, pour l'instant, on a une V. Franchement. Alors, je sais pas si y en a qui ont eu des ETB ou des trucs comme ça, ils ont kiffé ce qu'ils ont eu. Moi, franchement, c'est pas extraordinaire. Hein. À chaque fois que j'achète une ETB, bah, je crois que la meilleure ETB que j'ai eue, je l'ai ouverte sur Twitch. Et c'était. Je sais plus quelle alternative j'avais eue. C'était la meilleure, c'était vraiment la seule bonne carte que j'ai eue. Fait du temps. Désolé, je vous ai mal mis ça. Fabien, Guilfish, Lupix, Levenard, Zigzaton, Ferrosinge, Tournicoton, Absol. Et il y a une V, il reste un booster. Hein. Il reste un booster, une V. C'est catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Tout se joue là. Même s'il y a une V là-dedans. C'est catastrophique. Une VMAX, ça reste catastrophique. Il faudrait genre une secrète ou un truc comme ça et tout. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment. Hein, il n'y a plus de. Tu sais, d'habitude, ils disaient attention, essayer de mettre au moins une super rare. Tu vois, genre ultra rare. 100% des V, c'est considéré comme ultra rare. C'est du foutage de gueule. Et il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a rien. Ce serait incroyable qu'il n'y ait rien du tout. Il y a un mec, il a ouvert une display. J'ai vu. Il a ouvert un display. Il avait rien du tout sur un display, franchement. En plus, les displays elles se vendent 200 euros, un truc comme ça. Kaorin, c'est une catastrophe. Là, sur une display, j'ai une V. C'est Lugulaor. Ça, c'est vraiment le truc après, tu. Ouvre plus rien après derrière. Genre, si j'ai pas d'alternative minimum, j'ouvre une 25 ans. Ça va la chercher dans le cellier. Ils vont me faire craquer. Mais je crois que de toute façon, celle-ci, je vais pas me casser la tête, hein. Si je vois que les taux de drop ils sont catastrophiques, autant acheter directement les cartes. Hein. S'il y a des mecs qui arrivent en paquet, c'est blanc coton. Ma meilleure carte c'est blanc coton. C'est même pas une rare. Alors est-ce que j'ai mal mélangé les cartes? Ouais, c'est possible, j'ai fait une dinguerie. J'ai fait une dinguerie. On continue, hein. On continue.
c'est le plaisir d'ouvrir. C'est le principal. Hein. Hop. Bon. 272. Toujours plus de... Ouais, c'est fou, il y a trop de cartes. Trop de cartes, et franchement... Là, les trois quarts, c'est pas extraordinaire. Fermite. Flamajou. Négapi. Kalinos. Là, il y a quelque chose. Soit... Alors, je crois que c'est une VMAX. VMAX... Il y a des dorures en dessous. Pyro. Je crois que c'est Pyro But VMAX. Je crois. Hein. Voilà. Elle est jolie, celle-là. Franchement, elle est jolie. Là, je suis content. Mais bon. Ça va pas me faire crier. Il n'y a qu'une mentale VMAX qui me fait crier. Mental VMAX, Ectoplasma, si on a, il y en a quelques-unes qui peuvent me faire crier. Ça là, c'est joli, je suis content, franchement, elle est belle. Mais on va pas crier. C'est pas que c'est là que je vais révéler le voisin. Hop. Elle est jolie, hein. J'ai dit, c'est une des meilleures VMAX, celle-là. Bon, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 pour rattraper le premier ETB qui était catastrophique. Une catastrophe. Je peux pas vendre des ETB avec 8 boosters. Et genre dans 8 boosters, tu mets une V et genre c'est même pas une V stylée. Ariyama, Chapignon. Change croisé, feuillageou, Balignon, Charibari, Limagma, Scorplan. Ah, et franchement, le reflet là, il m'a un peu surpris. J'ai l'impression qu'il est différent des autres. Il est encore plus flashy. Il n'y a rien. Plumeline. Par contre, je l'avais pas celle-là. Et j'avais pas vu le petit logo là. De point de fusion. Je vois pas en quoi ça fait un point de fusion. Bon. Est-ce que je vais devoir ouvrir une ETB 25 ans? Vais-je craquer? Paf. Franchement, je vais peut-être réduire la cam. Voilà. Parce qu'à chaque fois, vous voyez pas. Chenipan, Miaous, y a rien. Arcana. Allez, 3 boosters pour avoir une VMAX. Pas une VMAX, une alternative. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu en plus. Je kifferais bien d'avoir une. Hop, votre Russie. Votre tutrice, votre Russie. Grelot d'adieu. Fantirme. Mekita. Darumaron. Minisange. Gripat. Kelocroc. Melmetal. En holo, pas mal. Elle est jolie celle-là aussi. J'aime bien mais le temps et le métal. Il ne faut pas remettre qu'une seule VMAX dans le. Une seule V ou VMAX dans le. J'aime pas quand même.
Alors, gants, bleuzeil, sablaireau, nounourson. Sablaireau, on l'a pas vu en plus encore. Nounourson, cryptéro non plus, c'est une nouvelle. Toxizap non plus. Bon, Caminus, on a déjà vu. La pouraille, pastille puissante et Latios. Latios, pas mal. Si je pouvais l'avoir en holo, celle-là, je dirais pas non. Bon, clairement, si j'ai rien, c'est mieux d'ouvrir, c'est mieux d'acheter les cartes, hein. Parce que les cartes, elles vont pas se vendre non plus une fortune. Écolier. Armando Rachidenois. Ah, ça me tue, moi, les noms. Scorvol. Niamiasp. Caiminus. Brocélome. Notre pote Ronflex. Je vous ai spoil, je crois, un peu. Frissoni, Fenard. Fenard, il est beau! Allez, allez. Allez, allez. Et... Lucario! Franchement, elle est jolie, Lucario. J'avais dit, c'est la meilleure DV. Et bon, 2V, 2V, une VMAX. 2V, une VMAX. Mettre en silencieux. Et bon, franchement, j'ai eu Pyro dans celle-ci là, Pyrobut et Lucario. Ça fait partie des plus jolis. Lucario, franchement, elle est belle. En train de faire un Kamehameha. C'est pas Lucario, c'est Sangoku. C'est même Sangoro, ceux qui ont la ref. Sangoro. Fenard, elle est belle, ouais. Sont toutes les Fenards, elles sont jolies. Hein. Je crois que notre rêve va pas s'accomplir. Ça tombe galard. Férosinge. Flingouste. Kalinos. Kalinos Reverse. Au milieu d'affilée. Deoxys Holo. Franchement, ce pack il était mieux. Mais bon, franchement, une ETB c'est 70 € à Pickwick Toys. C'est cher quand même. Hein. C'est cher pour ce que c'est. Et bon, c'est ça, en ce moment, Pokémon, les premiers scalpers, ben, ça va être les magasins. Hein. Voilà, en deux ETB, c'est ça, moi. C'est ça, mes meilleures cartes. Deux ETB. Ouais, chose promise, chose due. Ça va ouvrir une... Ouais. Mais ça va ouvrir à 25 ans, hein. Je suis obligé de me rattraper sur quelque chose d'autre là, parce que là, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour avec cette 2B25 ans. Je l'ouvre parce que je sais pas comment je me suis débrouillé ou si c'est que je l'ai acheté comme ça, mais elle était trouée ici. Et je me suis dit, celle-ci, je l'ouvre, je la garde pas. Je vais ouvrir celui-là. Moi, j'y crois pas trop à l'alternative. Je l'ai rarement vu drop. On prend tout ce qu'on a. On prend tout. Malos, Ixie, Arcanir. Scorplane, énergie, Fermite, éventail houleux, Coléodome,
Braille. Il n'y a rien du tout. Ouais, Tyrannosif alternatif, c'est le seul que qui me manque dans cette collection. J'arrive pas à l'avoir, franchement, j'en ai ouvert plein. Mais... Hello! Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, les gars. Bienvenue, Miss Veronica, bienvenue. Un gamer, merci un gamer d'avoir suivi. Merci les gars, merci, c'est gentil. Ça fait plaisir, hein. Ça donne de la force, on commence. Salut MacDess. Toi, tu viens de la Timita, toi. Morpeko. Chétiflore. Archéomir, Seribou, Potrempe, Cornèbre, Viscuse, Royal. Je crois qu'Ita faut qu'il ouvre avec moi. Hein. Pas fiancé. Miss Veronica, c'est Miss Veronica. Ah, vous êtes les bestes. Je te follow, tu commences. Faut de la force, c'est gentil, merci, merci Zork. Là, c'est clair, il faut de la force. Hein. Même des fois, je te jure, j'ai pas envie de live, je vous détruis tout seul. Quand t'as personne et tout, tu veux faire un live, c'est pas motivant. Après, de toute façon, c'est comme ça que tu commences, hein. J'ai tout préparé pour là, j'ai fait une salle incroyable. Bon. Soit ils ont raison, hein, ceux qui vendent directement les styles de combat, ils les gardent pas. Ah, moi j'aurais bien aimé qu'Itaï vienne ce soir. TB claqué. Non, c'est possible que ce soir on chope rien du tout. Hein. Wistempo, Flambino, Galekid, Stalgamin, Aspico, Trio Picker. Je vais ouvrir la fenêtre moi. Ça commence à avoir chaud là. En train de me donner chaud ce soir. Ah ouais. Je crois que j'ai tout mon quota de chance là, je l'ai eu au début. C'est la chance du débutant. Et là j'ai une sorte de période de disette. Je touche rien du tout. Après si je sors un drac au feu. Changer les choses, mais là bon, j'ai ouvert combien de boosters là? Il y en avait 5, l'autre il y en avait 8, 16, 21 boosters. J'ai 3, c'est ça les rares en 21 boosters. Ça fait une V tous les 7 boosters. Là, il y a un petit souci quand même. En tout cas, merci d'être venu. Franchement, ça fait plaisir. Bon. Reshiram, ça, c'est bien, ça. Et Pikachu Surfer, ça c'est bien, c'est bien.
Eric Sheeran, j'ai dû l'avoir 5-6 fois en tout. Hop, Pikachu Surfer, je sais même pas si j'ai... Je le compte pas dans les... Dans les bonnes cartes. Ouais, c'est Itaï, moi, laisse tomber. Avec Itaï, j'ai eu des sacrés trucs, hein. Et franchement, même Dracofeu, je crie pas. Vous voyez, il n'y a pas une carte qui peut me faire crier, là, dans le pack. Je serais content, tu vois, mais... Pas comme si j'avais eu... Quand tu l'as déjà, tu n'as pas besoin de... De crier ou d'être content et tout. Voilà, il y a quelque chose. Alors, c'est soit Magikarp, soit c'est Léviator Obscur, soit c'est Tortank. On avait du bleu. Vous dites quoi, vous? Bon, pour moi, je pense que c'est Léviator Obscur. J'attends de voir ce que vous pensez. Je vous donne juste encore un petit indice. Voilà. Pikachu. Si c'est Pikachu, je te donne toute ma collection. Arthusix, pareil. Si c'est Salamèche, pareil. Je vous donne tout. Un Mew. Non, Léviator Obscur. Et Pikachu Surfer. VMAX. Mais t'as raison, Ita, hein, franchement, même moi, 25 ans, là, j'ai pu. Enfin, quand t'ouvres, on a tellement ouvert que t'as plus l'excitation. Je me rappelle au début, on avait un Pikachu V surfeur, on criait. On criait la journée, tu vois. Même un Dracofeu, t'es. Après, j'en ai eu qu'un, hein, mais bon. Désolé les orques. Ah bah c'est nul du coup. Bon, ça va, il y a quand même un Zacian pour attraper. Ça aurait pu être pire. Faut qu'on fasse une partie de LOL, Ita. Vous jouez avec Ita d'habitude quand il joue en live? Luxray, j'en ai qu'un ça. Pikachu, les Max Surfer. C'est bien tout ça. Tu dis que tu joues au foot? Il a joué en live. Ida, t'as fait un foot. Ah mais Ida, c'est Ida, grand attaquant. Vous connaissez pas le potentiel. Vous l'avez pas assez côtoyé. Ida en attaque, c'est la base. C'est moi le gardien. Ah ouais, c'était sûr qu'il allait mettre un but. Et c'était filmé ou quoi? Vous avez vu? Ouh, bah Florida, hein. On
connais celle, la force. Pikachu V. Si c'est vert, c'est forcément Florizarre, il n'y a pas de suspense. Ah mais Inch'Allah ça marche bien. C'est un gros truc. Déjà je vais bientôt live en live là, je vais me mettre à jour sur tous les mangas moi. Je vais regarder tous les mangas. Et ça va faire des classements de mangas des animés sortis. Puis je vais parler des mangas qui viennent de sortir et tout ça. Moi j'aime beaucoup les mangas donc je vais me mettre un peu dedans. Ouais, je sais, il y en a qui sont. Mais franchement, j'ai pas beaucoup d'abonnés encore. Il y en a, tu sais, ils sont à 500 viewers et ça, et ils regardent des films, ils regardent tout ce que tu veux. Mais là, il y a tellement de mangas, c'est incroyable en ce moment. Je me dis, franchement, faut faire quelque chose sur les mangas, c'est trop bien. Hector. Bon, bah, soirée pas ouf, hein. Il reste un booster pour se rattraper, mais Kingdom, c'est. Ça va quoi, Kuro? Kingdom, les épisodes, ça s'est stoppé, mais c'était incroyable la saison 3. Je sais pas si vous suivez Kingdom, mais la saison 3, elle est ouf. C'est trop bien. D'ailleurs, j'ai chopé les mangas, hein, j'ai chopé les tomes. Je les ai jusqu'au 22 là, ça d'occasion. Après, à mon avis, pour te faire ban, il faut vraiment avoir beaucoup d'abonnés. Hein. Ou quelqu'un, c'est genre quelqu'un qui te balance ou un truc comme ça. Ah, Kingdom, c'est fou, hein. Y a même, tu sais, des découvertes de 3 strikes. Ça aurait pas ouf, t'as sorti un Léviator obscur, hein, Florizarre. Non. Non, mais je sais, franchement, en fait, c'est parce que. Vous, c'est parce qu'en fait, nous, genre au début, on aurait. Là, pour ça, tout ça, on aurait crié. Je crois que c'est parce qu'on est blasé des 25 ans, c'est pour ça. Après, le TB, c'est 70 euros, hein, donc concrètement, genre. Avec une carte, t'aurais pu tout retourner, là. T'avais un Octalistar ou un truc comme ça et tout. Mais ouais, mais même pas qu'à cause de lui. J'avais les cadavres des boîtes, j'en avais. Ouais, j'ai plus d'estime. J'en avais, je sais plus, j'ai dû ouvrir au moins une vingtaine de boîtes, 25 boîtes. C'est la quatrième ETB des 25 ans que je joue. Mais en je sais pas combien de. En je sais pas combien de boosters, j'ai même pas eu un seul Karcha Croc. C'est incroyable, genre on dirait que c'est la carte la plus rare. Je les ai quasiment toutes eues en double, sauf Dracaufeu et Karcha Croc. Et Mewtwo aussi, Mewtwo je l'ai jamais sorti moi-même. J'ai fait en échange.